Salut tout le monde! Alors, je me présente, Virginie Dupuis. Bienvenue au Cégep de Thetford de façon virtuelle ce matin. Alors, aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de la rentrée scolaire au Cégep au mois d'août prochain. Donc, ça s'en vient vite. On est conscient que la rentrée scolaire va être différente cette année, mais aussi intéressante. On travaille là-dessus cet été pour que votre rentrée scolaire soit le plus facile pour vous, le plus fun et aussi que nous puissions vous donner le plus d'outils possible pour que vous soyez confiants de rentrer avec nous au Cégep. Donc, sachez qu'on est là, qu'on est avec vous à partir de maintenant et jusqu'au mois d'août, donc la rentrée et tout le temps de la rentrée scolaire, évidemment. Donc, pour l'instant, ce qu'on a décidé, c'est que la rentrée scolaire va se faire le 20 et 21 août. Alors, nous allons vous attendre au Cégep à partir du 20 et 21 août, mais ça va être sûrement par programme. Donc, nous allons vous envoyer des invitations et vous allez savoir exactement quand vous présenter. Alors, ce que vous allez faire lors de la présentation de la rentrée scolaire, c'est qu'on va avoir des remises de livres, on va avoir des remises d'agenda, remises de casiers, vous allez pouvoir payer votre stationnement. On va aussi faire une petite activité pour se connaître, se rencontrer, vous aider aussi dans la facilité pour l'accueil au Cégep. On va vous faire visiter le Cégep. Alors, c'est sûr qu'au moment où on se parle, on n'a pas toutes les réponses à savoir comment ça va se passer, étant donné la situation que vous connaissez. On va évoluer là-dedans au cours de l'été pour s'assurer que lorsque vous allez arriver au Cégep, on va pouvoir vous donner le plus d'infos possible en fonction de ce qu'on peut faire ou non, tout en respectant, bien sûr, les recommandations de Santé Canada. Alors, il va y avoir une journée d'accueil. Vous allez pouvoir venir sur le Cégep, rencontrer les professeurs, rencontrer les intervenants, nous rencontrer. Si vous avez des questions, on va essayer de répondre au maximum de vos questions pour vous éclairer, là, pour vous rassurer là, pour votre année scolaire. Par la suite, il va y avoir deux semaines de cours où ce qu'on va aussi continuer l'intégration et l'accueil dans ces semaines-là de cours. Alors, vous allez être avec vos programmes et nous, on va être là aussi, toute l'équipe du service des affaires étudiantes pour vous accueillir, mais aussi pour vous guider dans ce que vous aurez besoin au niveau de questionnement, que ce soit les cours, que ce soit si on fait un petit peu de cours virtuels, alors comment qu'on doit s'y prendre. Alors, on est vraiment une équipe pour vous rassurer et vous aider à cheminer là-dedans. Donc, on va travailler ensemble. Alors, tout le long des deux semaines, on va être là aussi avec les professeurs pour travailler en collaboration pour continuer votre intégration. Par la suite, le 3 septembre, on a une belle journée d'accueil et d'intégration aussi. Donc, c'est une belle après-midi d'activité. Habituellement, tout le monde peut participer. Là, on va voir cette année comment on va fonctionner en fonction des balises qu'on aura encore une fois. Mais cette journée-là, on veut la garder le 3 septembre pour vous permettre de vous changer les idées, de connaître un peu tout le monde, de voir la vie étudiante au Cégep, qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est vraiment une belle journée. Puis, on va essayer de la maintenir au maximum pour vous faciliter l'intégration. Alors moi, tout l'été, je vais être disponible avec vous pour vous répondre à vos questions. Alors, vous avez mon adresse courriel au bas de l'écran. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions sur les casiers, si vous avez des questions sur les agendas, sur la façon de rentrer au Cégep. Alors, gênez-vous pas, moi, je vais être là pour répondre à vos questions. Par la suite, moi, je suis aussi responsable de la vie étudiante. Alors, toutes nos activités qu'on a habituellement. Alors, Cégep en spectacle, la troupe de danse, la troupe de théâtre, la troupe d'improvisation, notre comité vert, notre troupe de design de mode. Alors, toutes ces activités-là vont avoir lieu pour le moment, au mois d'août. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire lors de la rentrée scolaire. On va toutes vous montrer quelle activité qu'on peut offrir, en quoi ça consiste, ces activités-là. Alors, vous allez faire vraiment une petite visite virtuelle de toutes nos activités au culturel. Et là, à vous de voir si vous voulez vous impliquer dans nos activités ou bien dans nos comités aussi, parce qu'on a des comités de vie étudiante. On a aussi l'association étudiante qui est là pour vous et qui va avoir besoin d'aide. Donc, moi, là, le 20 et 21 août, je vais être là pour toutes vous montrer ces activités-là, faire le tour avec vous, puis vous démontrer la vie étudiante aussi au Cégep. Alors, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Comme je vous ai dit, j'ai mis mon courriel en bas de l'écran et ne vous gênez pas, je vais être là pour vous répondre. On a hâte de vous voir. Profitez de l'été, relaxez. Soyez confiants, on est là pour vous accueillir au mois d'août. Merci beaucoup.